Le président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, Jean-Marie Akaa, dans son message de nouvelle AN, jetait un regard rétrospectif sur les faits marquants de 2021, afin d'aborder les défis de 2022. L'année qui vient de s'achever a été marquée par une redynamisation de l'activité économique dans le monde, en dépit de la persistance de la pandémie de Covid-19, tel est le bilan dressé par le président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, Jean-Marie Akaa. Dans son message de nouvelle AN dont l'Infodrome a reçu copie, lundi 3 janvier 2022, le président du patronat ivoirien rappelle que la croissance économique a, en effet, bondi à 5,9% selon le Fonds monétaire international, FMI. Croissance forte en 2021, en Côte d'Ivoire, 2021 aura été l'année du retour de la croissance forte, projetée à 6,5%, après le ralentissement de 2020. Tous les secteurs d'activité y ont contribué, les entreprises faisant montre d'une résilience accrue et de capacités indéniables de rebond, souligne Jean-Marie Akaa. Il a félicité les dirigeants d'entreprises qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats. Le président du patronat ivoirien a affirmé que l'engagement des uns et des autres a permis de mettre en œuvre le programme d'activité de la CGCI établi en début de mandat et dont les principaux axes étaient l'amélioration de la gouvernance de l'organisation commune, le positionnement de ses adhérents au cœur de l'action patronale et l'amélioration de sa notoriété, ainsi que la consolidation de son image au plan national et international. Lire sur le même sujet Côte d'Ivoire, un outil de mesure de l'activité économique lancé, voici les secteurs touchés. Jean-Marie Akaa a dit être déterminé à représenter les membres de l'organisation dans toutes les tribunes où cela est nécessaire, et à continuer de porter la voix du secteur privé ivoirien sur toutes les grandes réformes et les principales problématiques qui interpellent tout, à savoir l'État, le secteur privé, et les organisations régionales. Prévision de 2022, c'est avec un réel optimisme que nous entamons l'année 2022. La Côte d'Ivoire, selon les prévisions, devrait consolider la résilience de 2020 et 2021, et relancer durablement sa croissance, projetée à 7,4% cette année, grâce à la bonne tenue des secteurs tertiaires et secondaires, et des investissements privés et publics, a noté le président Jean-Marie Akaa. Puis de confier que la CGCI sera présente aux côtés des autorités ivoiriennes, par un fort niveau d'engagement et une solidarité renouvelée, pour l'essor des entreprises, véritables créateurs de richesses et d'emplois, désormais au centre du plan national de développement 2021 à 2025 en cours d'implémentation.